19h30 précise, c'est l'horaire de notre talk. Match après match, nouvel horaire pour cette nouvelle saison. Très heureux de vous retrouver pour discuter le football, l'actualité de ce sport qui nous plaît tant. Heureux aussi d'accueillir autour de cette table Tim Guimain, Stéphane Franière et Gabé Chapuisat, nos invités pour cette émission de reprise, émission consacrée à 100% à la Super League. C'était la première journée de notre championnat de première division ce week-end. Et il faut l'avouer, on a vu un certain nombre de résultats pas forcément attendus. Gabé, je vais me tourner d'abord vers vous. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, excité, tout simplement, parlez-nous de ces premières rencontres. Qu'est-ce qui vous a titillé? Oui, c'était sympa. Alors, commencer avec le champion qui se rendait à Berne, hein, chez l'ex-champion, en 4-0 qui correspond en résultat trompeur. Ça vous a marqué quand même? Ouais, non, on aura l'occasion d'en parler. Je pense que si Marquezano avait ouvert le score avec le pénalty raté, je pense qu'on aurait vu un autre match. Ça, c'est vrai que 4-0, la facture est sévère. Et puis Zurich a craqué en fin de match. Mais enfin, bref, je vous rappelle que Zurich, l'année passée, premier match à Berne, c'était le cinquième, alors qu'ils avaient 4 matchs 12 points. Ils avaient déjà perdu 4-0. Donc, ils ont pris l'habitude. Donc, c'est vrai que c'est pas le même Zurich, nouvel entraîneur, nouveau contexte et tout. Mais malgré tout, moi, j'ai trouvé ce Zurich intéressant. Ils ont fait jeu égal pendant 60 minutes. Et puis, il faudra quand même compter sur eux, surtout qu'ils vont pouvoir récupérer Zemali, Omeradjic. Donc, il y a quand même encore du potentiel dans cette équipe. Zurich IB pour Gabé, événement marquant du week-end. Team. Ouais, la même chose. Moi, c'est en arrivant au stade de Suisse, en fait, en arrivant dans les tribunes, en voyant la feuille de match, et le banc de Young Boys. Alors, on savait tous que IB avait réagi cet été et puis avait bien recruté, mais en le voyant comme ça, la première journée de championnat, le monde qu'il y avait sur le banc et aussi qui n'était même pas convoqué ou blessé, c'est là qu'on se dit que IB va être très, très, très fort. Pour rappel, je ne vais pas vous faire les 7 qui étaient sur le banc, mais Cédric Eaton, Jean-Pierre Nsamé, Ngamale, par exemple. Il y a des candidats à la Coupe du Monde. Grinich, Loris Benito. Enfin, le banc d'IB, c'est ce que je retiens en fait de cette première journée. Vous en faites déjà IB le favori au titre, en voyant peut-être encore plus ce qu'on a vu sur le terrain, ce qu'il y a comme potentiel sur le banc. Il y a Kevin Ruel qui arrive encore. Non, mais surtout, hier, Gabé a raison, si Antonio Marquezano, petite parenthèse, je trouve bien fait quand je vois un rateau pénalty, quand il le tire comme ça. Je suis désolé, moi je suis peut-être de la vieille école, mais pour moi un pénalty, ça se fait avec une course d'élan, ça se fait éventuellement avec une feinte, mais pas comme ça, je suis désolé. Non, mais il n'a jamais raté un. Hein, oui, mais non, mais je le vise pas en lieu particulier, c'est un joueur fantastique et mais tout. Bien sûr. Mais je trouve que là, sa course d'élan, elle le décroche entre plus lui que le gardien, enfin ça c'est mon impression. Alors oui, IB, pas forcément sur le match en lui-même, parce qu'il peut y avoir un zéro pour Zurich et après c'est autre chose, mais sur la qualité de l'effectif qui a été construit, je pense qu'on peut dire que sur le papier en tout cas, c'est juste, c'est beau. Stéphane. Plus que sur le jeu, hein, Stéphane. Pour ma part, c'est un peu plus éloigné du rectangle vert. C'est l'atmosphère, l'ambiance à la chute Sunvisée. Je trouvais ça fantastique, Winterthur de retour après 37 années, qui reçoit balle. Il y a de l'engouement, il y a de l'envie, il y a des saucisses grillées. C'est le foot aussi, un petit peu plus comme on l'aime, parfois tout simple, avec juste des joueurs qui sont prêts à mouiller le maillot et à s'investir dans un club qu'on dit familial, mais qui quand même hier sur le terrain a mis à mal ces Ballois qui sont une magnifique performance de leur dernier rempart, s'incliner en déplacement à Zurich. Et justement, il y a aussi l'atmosphère, la Stützenwiese, les 8400 spectateurs, mais il y a aussi ce résultat, un partout. Vous auriez misé là-dessus ? Non, difficile à dire. C'est un premier match de championnat. On aura aussi là l'occasion certainement de disserter à ce sujet-là. On débute, on lance les locomotives. Winterthur est sur une lancée extraordinaire. Fait assez juste à mes yeux durant cet été en allant chercher Bruno Berner, en confortant ses cadres et en apportant l'une ou l'autre touche à son 11. Et au final, on voit que c'est rodé, que ça fonctionne, qu'il y a beaucoup d'émotions. Et ça, c'était magnifique hier du côté du Zurichois. Team Winterthur, ça vous inspire quoi ? La même chose. J'imagine que ça vous plaît. Oui, alors j'adore y aller au Challenge League, je me réjouis de retourner en Super League. L'atmosphère, elle est fantastique, c'est clair, je suis d'accord. Ils ont tout fait juste cet été pour moi, dans la mesure de leurs moyens. Après, c'est clair que ça va être très très dur sur la longueur d'éviter la 10e place. Je le souhaite, j'espère vraiment qu'ils pourront y arriver, mais je pense quand même que l'effectif là, c'est un bon effectif de Challenge League. Ils n'avaient pas les moyens d'attirer des joueurs de qualité supérieure, ceux qui leur permettront peut-être de durer. Pour moi, ça reste quand même
aujourd'hui la 10e meilleure équipe du championnat, ce qui est déjà quelque chose. Hein. Sur l'envie, démontrer qu'on contre-balle, c'est ces qualités qu'il faudra ressortir pour les joueurs de Bruno Bernard, pour avoir une chance, pour s'en sortir peut-être ? Bien sûr, mais sur 36 matchs, c'est impossible. Donc il va falloir autre chose. Bruno Bernard, je suis d'accord, c'est un super jeune entraîneur, c'est un entraîneur qui va leur amener beaucoup. Pour moi, de nouveau, ils ont fait tout juste. Maintenant, sur 36 matchs, j'en fais quand même mon favori à la 10e place, clairement, malgré le fait qu'ils aient fait tout juste. Bon, Tim, on a son champion et son barragiste. Non, Winterthur, je suis bien placé. Je vous rappelle que j'ai entraîné une année. Oui, vous l'avez déjà dit quelques fois. On aurait pu monter déjà à cette époque, mais on était très bien placé. C'était dans un tour de promotion-relégation. On jouait avec, je vous rappelle, les équipes de Liga 1. C'était Servette, IB, Zurich et Saint-Gall. Donc, on les inquiétait. On a même battu Servette, battu Young Boys et tout. Mais à l'époque, ils ne voulaient pas qu'on monte. Donc, ça avait créé un petit peu mon départ. Mais c'est vrai qu'on avait déjà pas mal de supporters, il y a une grande ferveur. Les gens de Winterthur aiment le foot. Et ce que j'ai bien aimé hier, c'est qu'ils ont joué sans complexe. C'est une équipe qui a peu de moyens, qui s'est peu renforcée. J'entre avec des joueurs de haut niveau. Hein. C'est vrai qu'on était chercher Di Giusto qui était à Vaduz, et puis le pied des Rodriguez qui était remplaçant à Chapuz. Et puis hier, ben, ils ont malmené ce FC Bâle qui était, entre nous soit dit, très décevant. Et s'il y avait un vainqueur, une équipe qui aurait dû prendre les trois points, c'était Winterthur. On n'a pas encore l'occasion de parler de Lucerne et de Grasshopper parce que ces deux formations n'ont pas joué ce week-end. La pelouse à Lucerne est en réfection, match le 10 août. Mais par contre, personne autour de cette table m'a parlé des deux clubs romands vainqueurs cet après-midi. Alors, la saison passée, il y en avait trois de clubs romands en Super League. Là, il y en a plus que deux, mais les deux qui gagnent, un peu surprenant quand même. Oui, alors je pense que personne n'aurait dit que les clubs romands auraient fait 6 points sur ces premières journées. Des matchs pas simples, Saint-Gall à la maison et à Lugano. Deux belles performances, même si Saint-Gall aurait peut-être pu mériter mieux. Mais moi, j'ai bien aimé ce FC Sion. Aujourd'hui, on a vu de la solidarité. On a vu ce qui manquait les années précédentes, je trouve, c'est-à-dire de la combativité. Bon, j'ai par exemple beaucoup aimé Nouma Lavanchi, ce qu'il a apporté. Carlos Varela l'a dit, mais je rejoins à 100%. C'est le genre de joueur qu'il fallait au FC Sion, humble, travailleur. Sion joue beaucoup sur l'émotion du président jusqu'en bas. Donc, commencer avec 3 points, ça peut accélérer beaucoup de choses, ça peut changer beaucoup de choses. On va reprendre ce que disait Gabé avant. Zurich fait 4 matchs 12. S'ils ne font pas ça l'année passée, je ne pense pas qu'ils sont champions. C'est qu'une saison, elle se construit aussi comme ça. Sion, ça faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas gagné le premier match. Et ça va tellement vite, les émotions là-bas. Gab est bien placé pour le savoir. Vous aussi coaché là-bas, Gab. Hein. Oui, mais c'est très court, hein, je me rappelle. Mais ça se joue sur l'émotion. Et là, que ça part comme ça, sur les émotions positives, en défendant le résultat, il peut tout se passer à Sion. Et c'est là qu'ils ont été très bons, selon moi, cet après-midi. On les a sentis sereins. Il y a eu quand même des moments compliqués. Le retour après le thé, les 10-15 premières minutes en deuxième mi-temps, c'était très compliqué. Il n'y a pas eu d'excitation, il n'y a pas eu d'énervement, même au bord du terrain, ce qu'on peut voir parfois côté valaisan. Là, je les ai trouvés vraiment sereins. Ils ont, dans les cages avec Lindner, fait une magnifique affaire, c'est certain, déjà après 90 minutes. Donc, comptons aussi sur les Valaisans pour essayer de construire, peut-être, pourquoi pas, sur cette première victoire pour la première fois après 5 saisons. Gabé. Oui, bon, c'est vrai. Moi, personnellement, je me suis trompé. Hein. J'avais misé parce qu'on fait des paris. Maintenant, mais vu qu'on est des très mauvais pronostiqueurs. L'inverse de ce que vous votez pour oui, non, exactement. Donc, moi, j'avais pronostiqué 2-1 pour Lugano. C'est vrai qu'on n'a pas vu une grande première mi-temps. Peu d'occasions, c'est vrai, mais une équipe solide, c'est vrai. Hein, je pense dans des conditions difficiles. Hein, la chaleur, on est bien d'accord. Bon, je constate ça qu'ils ont marqué 3 goals sur balle arrêtée. Donc, c'est important. Et puis, je pense que d'après là, les a bien aidés en faisant un autogol juste avant la mi-temps sur la tête de Grigic, qui certainement n'était pas cadré, et puis par son geste malheureux et maladroit et surtout irréfléchi qui lui a coûté un carton rouge et qui, je pense, a été le tournant du match. Ouais. Qui n'a pas facilité la fin de match du FC Sion pour autant quand même. Après, à jouer à 11 contre 10, même à l'extérieur, ce n'est pas toujours très simple. Il faisait chaud, effectivement. Mais quand même, au niveau des cadres, c'est du noir. J'ai trouvé que c'était costaud, que ça tenait bien la route. Le capitaine Gergic a été très bon. Arras, à mi-terrain aussi. Jérémy Manière parlait en avant-match, justement, de ce losange à mi-terrain. Ça a plutôt bien fonctionné. Puis Paolo Tramezzani, qui débute une partie avec deux attaquants, c'était aussi plutôt agréable devant la télé. Je pense qu'il a un petit peu de pression, hein, cette année. Indirectement, le président lui a dit, écoute,
tu peux rester, mais tu essayes de nous présenter autre chose. Hein, bah, donc, même, si j'ai en plus résumé. Ou même directement. Non, mais c'est ça, pour moi, au-delà du résultat. Pour moi, ces résultats, ils sont anecdotiques. C'est, ça tient à des faits de jeu, à l'explosion d'Aprella, par exemple. Mais moi, je rejoins. C'est ça. C'est sur l'attitude, c'est sur les cadres, c'est ce Poa qui a été très bon, qu'on voit déjà qu'il amène quelque chose. Et on sent qu'il se dégage un esprit du vestiaire. Et je pense que si on fait beaucoup de choses juste cet été, mais la principale, c'est de dégraisser. Il y avait trop de joueurs. Il y avait trop de joueurs à Ried, pour Docteur Dur. Il y a trop de joueurs de ce contingent. Et du coup, c'est difficile pour l'entraîneur. Et là, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, je dirais, entre le 25 et le 35e. Et là, pour le Tramezzani, on sent déjà qu'il y a un petit noyau qui se dégage. Et c'est ça, surtout au-delà du résultat, qui est vraiment encourageant, je trouve, pour la session. À confirmer le week-end prochain. Sion et Servette aussi, un petit peu quand même. On en parlera un peu plus tard dans cette émission. Parce qu'on va basculer vers notre deuxième thématique. Vous le savez, évidemment, la saison dernière, c'est Zurich qui était champion. Et il y a 12 mois, personne, absolument personne, n'aurait misé sur cette équipe pour soulever le trophée au terme de l'exercice. Aujourd'hui, 12 mois après, j'ai envie autour de cette table de lancer une discussion pour savoir si une équipe, quelle qu'elle soit dans le championnat, ça peut être Sion ou Servette qui reviennent sur la table, peut imiter. Je ne dis pas va, parce que le championnat est ainsi fait qu'il y a quand même certains favoris qui sont une nouvelle fois balayés, mais est-ce que une formation, un club peut? Alain Gaguerre a déjà dit, c'est pas Servette. Ouais, donc on reviendra sur Servette. Et Clichy, il a confirmé. J'ai envie de poser un roman. J'ai envie aussi. Bon, il y a expulsion. Voilà, on a commencé cette émission un peu comme on a l'habitude parfois de le faire, en allant regarder plutôt de l'autre côté si c'était mieux, de l'autre côté sont en Suisse allemande. Pourquoi pas? Laissons-leur jusqu'au 31 août pour encore affiner peut-être certains postes de leur effectif. On va discuter du gros dossier qui est en coulisses actuellement, mais pourquoi pas? Pourquoi le FC Zurich, la saison passée, nous étonne tous? Pourquoi est-ce que Sion ne pourrait pas une fois nous étonner? Et nous, journalistes romands, s'extasier durant une saison devant des résultats et un beau challenger. Bah Stéphane, dites-nous pourquoi vous y croyez? Pourquoi ça sera Sion? Parce qu'on a dégraissé, parce qu'on offre à un coach la possibilité de travailler avec une équipe de foot et pas un contingent en pléthorique où on connaît à peine le nom de ses joueurs, où quand on part en camp d'entraînement, il faut réserver non pas un hôtel, mais un hôtel et demi. Je pense qu'on va leur laisser aussi cette chance-là. C'est du noix et j'ai envie de me dire que ça peut aussi marcher une fois pour les sessions ailleurs qu'en coupe, simplement. Tim? Non, j'ai de la peine d'imaginer quand même un club romand champion. Les clubs alémaniques ont trop d'avance et que tu vois de nouveau sur la durée, j'y reviens, mais le contingent qu'est en train de construire IB. Alors, je dirais que je pense que ça va être très difficile cette saison. Je crois pas trop à ce FC Bâle. J'ai de la peine à lire ce qu'ils ont fait cet été. Notamment. La jeunesse, hein, ils ont misé sur la jeunesse à Bâle. C'est un pari. Ouais. C'est un pari, hein, mettre des jeunes en valeur et tout. D'accord. Mais on a vu hier, ils étaient en grande difficulté. Donc on a déjà vu certaines limites. Oui, d'accord. Mais on parle rien que du poste de gardien de but. Il y avait potentiellement le meilleur gardien du championnat qu'on a dévalorisé, qu'on a laissé partir Lindner, pour prendre le contraire d'Onjeun pour mettre dans les buts. Moi, je ne suis pas tout à fait convaincu et je ne vois pas une ligne claire. C'est David Degen, ça fout furieux. Il faudra s'attendre à quelques surprises encore d'ici la fin du championnat, surtout s'il n'y a pas de résultats positifs. Bon, IB, grand favori, ouais, oui, un peu derrière. Mais quelle équipe surprise? Qui peut jouer les troubles faits cette année? Saint-Gall sera toujours l'équipe assez sympa parce que Zeidler ne va pas changer sa philosophie. Hein, ils vont être agressifs, ils vont jouer haut dans le terrain. Hein, ils vont faire des bons résultats. Ils vont aussi ils prennent des risques, donc ils vont aussi prendre des goals et tout. Mais je vois mal la hiérarchie être mise en difficulté comme l'année passée avec ce FC Zurich. Moi, Sion champion, ben je te félicite. Je vous rappelle que le dernier champion roman, c'était en 1999, hein, c'était Servette. Vous coachiez où à l'époque, Gabet? Hein? Vous coachiez où à l'époque? J'étais à Carouge, sur Genève. c'est pour ça que je me souviens de tout ça. Hein. Souvenez-vous de certains célèbres matchs contre Lausanne, le dernier match, le 5-2, très sévère, dans des conditions difficiles. Non, Sion champion, pour moi, non, c'est une. Je ne veux pas dire que c'est une mauvaise plaisanterie, mais j'y crois pas. Moi, j'aimerais bien voir Sion éviter justement de connaître des fins de championnat difficiles comme les
les quatre dernières années. Alors moi, juste pour préciser, on n'a pas parlé dans la question de si on champion, de la bonne surprise du championnat. Qui va succéder à Zurich? C'est ça la question. Qui peut imiter Zurich? Comme champion ou comme champion surprenant en allant au-delà de Bâle et de Young Boys. Moi, ce que je souhaite, c'est revivre des belles soirées européennes à Sion, parce que Sion, c'est un tourbillon, c'est un théâtre spécial pour les soirées européennes. Il y a eu Kazan, Liverpool, il y a eu Braga, Bordeaux, c'était des super soirées. Mais pour ça, il faut finir dans le classement et retrouver la Coupe d'Europe. D'accord. Et être une bonne surprise, donc. Je vais m'en sortir, finalement. Mais finir cinquième, parce que je vous rappelle qu'il y a une place de plus cette année pour les Coupes européennes. Si on sait faire ça. Donc moi je demande ça. Une belle soirée européenne à Sion l'année prochaine. Et donc, vous, du public à Tourbillon. Je pensais que Lucerne allait peut-être sortir comme surprise dans la lignée de la fin de saison avec le travail de Mario Frick. Peut poursuivre. Gabé, vous secouez la tête alors nettement. Non, je ne vois pas Lucerne. Moi, je les ai vus contre Chapuise. Bon, c'est vrai que ce n'est pas des matchs faciles. Hein, quand tu joues l'année, hein, tu essayes de sauver ta saison dans les matchs de barrage, ce n'est pas évident. Mais c'est vrai que ça a été compliqué. Non, Lucerne, ils vont finir dans le ventre mou du classement, je les vois. Non, moi, cette année, trouver une équipe surprise, ça va être compliqué. Surtout quand je pense au potentiel et surtout au contingent de Young Boys. Encore, il faudra que Vicky trouve la bonne solution. Dans les outsiders, alors je rejoindrai aussi plutôt Gabé et Saint-Gall, clairement, avant Lucerne. À mes yeux, c'est sûr. Si on ne peut pas imaginer Sion comme étant une bonne surprise, pourquoi Lucerne? Juste parce qu'ils sont suisse-allemands et qu'il y a un peu plus de public. Là, je suis plus d'accord. Là. Dieu sait que j'aime Peter Zeidler, mais il a de la peine quand même à développer ses équipes sur 12 mois. Enfin, là, on a eu 6 mois magnifiques. Et j'aimerais qu'il arrive enfin au Chénet. Mais on constate que son jeu demande beaucoup, beaucoup d'intensité, beaucoup d'efforts. Il est très exigeant aussi. Et pour l'instant, depuis qu'il a Saint-Gall, il a fait des très bonnes choses, mais il n'a jamais réussi à les implanter sur la durée. Il y a quand même eu cette saison où ils ont accroché Young Boys jusqu'à la fin. Oui, l'année du Covid, la première année du Covid. Ouais. Non, mais d'accord, l'année du Covid, d'accord. Oui. Mais c'était une saison très. Oui, mais c'était très longtemps, ils étaient très proches. C'est vrai là, je suis très d'accord, mais cette saison est trop coupée. Tim met un bon argument sur la table. Oui, tout à fait. Comme Raphaël Vicky hier met des bons arguments sur le banc et montre aussi comment on va chercher une coupe ou un titre, c'est avec un effectif costaud, et puis peut-être que là, Saint-Gall est un peu plus tendre, on va dire. Bon. Saint-Gall est sympa, j'entends. Ah, mais on est bien d'accord. On s'ennuie. Non, c'est en foot, on s'ennuie pas. On peut être pour ou contre Zeidler. C'est le résultat qui compte. Non, mais je pense que Saint-Gall, ils font le maximum. C'est pas un club qui roule sur l'or. Je trouve qu'ils font. C'est magnifique. Ils ont un public fidèle, donc ils ont réussi vraiment à intéresser la région. Et puis cette équipe, je la trouve sympa. On s'ennuie jamais. C'est extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup Peter Zeidler. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout? Jamais. Bah, voilà, non. Mmh. Bah, merci. On est d'accord. On les aime tous, mais on les voit pas aller au bout. Bon, moi, si. Mais sympa. Si j'avais dû répondre à ma propre question, je vous aurais cité Lugano. Mais. Dans la continuité des dernières saisons avec les investisseurs américains qui ont certains moyens. Le titre, rapidement, pour tout le monde, ça sera Young Boys? Pour moi, oui. Pareil. Je pense, mais je pense que Vicky, il a une grande épreuve. Hein. Jusqu'à maintenant, sans CV, il n'est pas extraordinaire et tout. Là, il a l'occasion de redorer, de mettre des lettres en or sur son CV. Donc, oui, quand même, IB, quand on pense, là, ils ont doublé tous les postes et tout. Ils sont armés parce qu'on sait que d'ici mi-novembre, ils auront un calendrier. En supposant qu'ils passent très vite. Il y a un peu de chemin à faire, hein, quand même. Mais bien sûr. Donc, parce qu'il y a les éliminatoires, Coupe d'Europe et tout, bon, il faudra déjà éliminer les lettres. On ne va pas mettre la charrue devant les buts. Après, ils sont devant aussi d'une belle épreuve. Hein, pour une première fois, après avoir déroulé pendant 3-4 saisons, il y a un premier couac, un premier obstacle. Relancer la machine, la bête blessée, peut-être IB cette saison, à voir ce qu'ils ont fait hier. Ça n'a pas tenu à grand-chose. Même hein, si ça n'a pas tenu à grand-chose, au final, le totomate, il est clair. Et puis, il débute leur championnat de belle manière au niveau du score. Moi, je sens bien Lugano en Coupe d'Europe, par contre. J'ai envie d'y croire. Ils ont une jolie culture européenne là-bas. Je me réjouis de voir le tirage et ce qu'ils peuvent faire. Il faudra aussi gérer ça en plus du championnat. C'est demain le tirage et le mercato qui peut encore faire évoluer certaines choses pour le troisième tour, le tirage. Parce qu'après, il y a encore un barrage. C'est relativement compliqué le chemin pour parvenir à la phase de groupe des compétitions européennes pour les clubs suisses. Fin du mercato, 31 août, on pourra peut-être faire le même débat à ce moment-là et on aura peut-être des avis différents. Je vous l'ai promis,
On va parler un petit peu des clubs romands. Les deux survivants, romands avec le départ, la relégation de Lausanne, c'est Sion et Servette, des habitués, ça a été évoqué. Il y aura un club de plus qualifié pour les Coupes d'Europe. On le sait, cette saison est particulière parce qu'il n'y a pas de relégué direct, uniquement un barragiste contre le troisième de Challenge League au terme de la saison. Et je pose ça sur la table. Vu la configuration du championnat, est-ce que toutes les équipes, y compris Sion et Servette, et peut-être à l'exception de Winterthur, Tim, se doivent d'avoir une ambition européenne, terminée parmi les 4-5 premiers du championnat? Bien sûr. Mais c'est l'évidence. On revient au système d'avant, il y a deux ans en arrière, où la moitié du championnat est qualificatif pour l'Europe. Effectivement, c'est beau. Et même en terminant quatrième, vous pouvez vous offrir une épopée. Alors c'est dur, hein. On l'a vu avec Servette, on l'a vu avec Lucerne. C'est dur de passer ses premiers tours, mais c'est beau, c'est des belles soirées. Bien sûr qu'il faut y aller. Mais elles sont rares, hein, parce qu'on est rapidement éliminés. Hein. On parle de Servette, c'est vrai qu'ils ont été deux fois, ils ont été éliminés au premier tour. Non, c'est au compliqué. Deuxième. Ils ont passé les Slovaques. Vous avez oublié tellement c'était court. En même temps, en termes de carottes pour les joueurs, pour un staff technique et tout, c'est vraiment quelque chose d'alléchant. Et effectivement, ça permet de garder un peu tout le monde dedans. On sait qu'on a un championnat où on peut être assez vite décroché, en tout cas pour jouer le titre. Là, on a des équipes qui pourront lutter le plus longtemps possible, on l'espère, de notre place de consultant et de journaliste. Donc, je pense que c'est intéressant pour le championnat de Suisse. En essayant d'avoir des résultats positifs, parce que là, on a la chance, on récupère, vu qu'on est remonté un petit peu dans la hiérarchie, on récupère une place, mais il ne faudrait pas la perdre. Donc, on a besoin des équipes compétitives. Les romands, Sion et Servette, qui a le plus de chance, les meilleures possibilités d'obtenir cette quatrième, cette cinquième place minimum? Ou gagner la Coupe. Ou gagner la Coupe, évidemment. vous revenez aux obsessions. Ouais, je pense que des deux, aujourd'hui, si on doit miser sur une équipe qui sera européenne la saison prochaine, je pense que si on a un léger avantage, mais ça se jouera pas grand-chose, honnêtement. Moi, j'ai d'autant les arguments mes deux collègues. Donnez déjà les vôtres en faveur de Sion. Ils se mouillent pas, tu vois. Non, ok. Je vais m'engager en faveur de Sion pour une seule bonne raison, c'est que je pense que ça fait longtemps que Sion n'a pas gagné la Coupe et je pense que c'est la bonne année. Voilà. Moi, je pense qu'il faut leur laisser sincèrement jusqu'à la fin du mois d'août pour encore aller chercher l'une ou l'autre pépite ou trouver l'un ou l'autre. On est dur avec les romans à ce moment-là du début du championnat où il ne se passe rien du côté du bout du lac. On va tenter des paris peut-être impossibles. C'est un petit peu aussi le propre du footballeur ou du fan roman que de se dire que c'est mieux ailleurs. Laissons-les aussi tranquillement faire leur travail en coulisses et nous sortir, pourquoi pas, on l'a vu du côté de Genève, des joueurs dans des ligues inférieures ou en tout cas supposées inférieures, finalement des très bons joueurs qui pourraient se développer dans notre championnat. Donc je le souhaite en tout cas en tant que roman. Il y a l'ambition à Sion avec son président. À Genève, je sens que c'est un petit peu la morosité actuellement. Hein. Guéguerre, il était clair. Hein. Donc, Servette ne sera pas champion. Donc, il n'a pas parlé de l'Europe. Hein. Hein, on est bien d'accord. Non, et puis Clichy n'a pas été très sympa, je trouve, même alors qu'il venait de signer une prolongation de contrat. Je trouve qu'il était très dur avec ses dirigeants, il les avait en gros traités d'amateurs. C'est vrai qu'à Servette, c'est compliqué. Je pense que c'est surtout une affaire financière. Donc le club perd des joueurs, ne peut pas recruter et va miser sur les closerons de certains jeunes. Elle est bizarre, l'interview dans la Geiger, quand même. Parce qu'on prend Tony Brezza, qui vient d'arriver à Stade Lausanne, on lui pose la question, que peut espérer Stade Lausanne? Il dit, bah là, au début de championnat, tout le monde a zéro point. Enfin, c'est le discours habituel, mais ça veut quand même dire que tout est jouable et on peut gagner chaque match, on peut y aller. Un entraîneur qui me dit comme ça, la veille du championnat, je ne sais pas si je suis joueur de contre un joueur et tout, de toute façon. Enfin, c'est une manière pour lui de se protéger, je comprends. Mais je trouve que cette interview, elle est un peu étrange. Je trouve qu'elle m'a plus dérangé celle-là que celle de Clichy, honnêtement. Et surtout de protéger son équipe aussi. On peut quand même tous parier qu'à l'interne, il a évoqué les choses un peu différemment. J'espère. Je le vois mal devant ses 22 gars leur faire le même speech qu'il a fait à la presse. C'est de bonne guerre là aussi, et c'est aussi assez classique pour un entraîneur que de protéger son groupe. Mais c'est vrai qu'en termes de com, c'était deux fois discutable cette semaine côté servettien. Ce ne serait pas étonnant qu'il y ait une petite mise à niveau lundi matin autour d'une table. Est-ce que tout cela promet une saison agitée à Genève? Ce n'est jamais des saisons agitées à Genève. J'ai l'impression qu'on est sur... Est-ce que cette fois,
moi, je n'ai pas l'impression, non. J'ai l'impression... Il n'y a jamais le feu au lac. Vous avez remarqué, l'année passée, contre Guéguerre, je crois qu'ils avaient perdu 6-7 matchs consécutifs. Ouais. C'est vrai, c'était Pascal Bessard qui était encore président. Il avait été très rassurant chez nous. Il n'y a pas de panique, on a confiance en l'entraîneur. J'ai trouvé beaucoup de sérénité. Le seul souci, moi, je pense, c'est aussi c'est financier. Ça limite un petit peu les ambitions du futur. Je pense que les gens aiment avoir un Servette plus ambitieux. Mais c'est une qualité d'avoir une direction stable. Hein. Exact. Quand on voit Dimitri Oberlin aussi, dans un autre club, peut-être qu'il aurait été fusillé sur place avec ses premiers mois. Et puis là, non, il laisse le temps. Il a encore du temps de jeu cette saison. Et moi, je pense que c'est assez sain, finalement, qu'on ait un club qui puisse avoir un petit peu de stabilité à long terme. Et on discutait en début d'émission de bien démarrer sa saison, de mettre un petit peu d'étincelles dans son jeu. On a vu cet après-midi là du côté de Genève que c'était bien parti à ce niveau-là, donc les points ils sont là, le but de l'année peut-être, donc, en tout cas le but de la journée hein, on est ouais, mais ça va être difficile à déloger, donc pourquoi pas en termes moi j'ai pas vu entre Servette hein, deux tirs cadrés, donc c'est vrai que c'est un résultat du Reisheiler. Je veux pas dire qu'il était très déçu, mais je pense qu'il a dit qu'on aurait en tout cas mérité un point. C'est vrai que bon, départ idéal avec une performance moyenne. Messieurs, de quoi auront besoin les deux clubs romands pour faire ce pas qui peut leur permettre d'être européens au terme de la saison ? Qu'est-ce qui manque actuellement peut-être à ces équipes ? Qu'est-ce qui sera important ? Les deux, je pense, ont un point commun. Ils ont besoin d'un patron de la défense, un grand défenseur central. Vincent Sasso, il était essentiel à Servette. Il n'a pas été remplacé pour l'instant. Et ça, je pense que c'est primordial. Vraiment, la direction sportive doit se concentrer là-dessus. Et à Sion, la même chose. Je pense aussi que là, il manque un grand défenseur central. Aujourd'hui, c'est Santini et Cavaré qui sont deux bons joueurs. Mais Cavaré, c'est en latéral. Santini, c'est un jeune joueur. Je pense que les deux ont besoin d'un patron derrière. Mais si on s'en fait cinquième année qu'on demande un arrière central. Hein, donc ils ont essayé, hein. Ils ont cherché des pistes. Oui, mais bon, on a surtout tapé à côté de la bonne pioche, comme on dit. Mais plus que ça, pour ma part, c'est vraiment ce début de championnat. On évoquait Zurich tout à l'heure. Les joueurs qui sont là actuellement peuvent faire le travail. Ils l'ont fait cet après-midi du côté valaisan. Je pense qu'on peut démarrer ce championnat de bonne manière. Il y a des affiches directement costaudes qui arrivent. Donc il va falloir bien négocier ces premiers virages. Et pourquoi pas derrière, enchaîner. Je vous dis une chose, c'est que si Sion bat IB dimanche, ça va s'enflammer très très fort, déjà. Mais très fort. Servette, c'est balle lors de la prochaine journée. Oui, et bon, et puis surtout, oui, Servette a des très mauvais souvenirs. Hein. L'année passée, ils en ont pris 2x5, hein, je vous rappelle, du côté de Saint-Jacques. Mais je pense que contre CFC Bâle, qui m'a tout sauf convaincu, en tout cas, lors du premier match qu'on vient en tour, il y aura un truc à faire. De quoi ont besoin Servette et Sion, Gabet, selon vous ? Tim, c'est clair, c'est un défenseur, un grand défenseur par le talent central pour vous. À Servette, ben, ça fait aussi deux années qu'on parle de trouver un véritable buteur. Hein. Ça, je crois que c'est un petit peu le souci. C'est vrai que Rodelin, bon, a marqué quelques goals, extraordinaires comme aujourd'hui, mais ce n'est pas le buteur recherché, un renard de surface. Mais pour ça, ben, il faut sortir de la finance. Hein. Et puis, je pense que Servette n'a pas les moyens. Je pense qu'ils sont conscients que sportivement, ça serait la solution, trouver un véritable centre-avant, un chasseur de but. Mais voilà, c'est difficile à trouver. La preuve, c'est qu'ils ont été chercher un attaquant, là, dénommé Pluguet, qui est un petit Allemand qui fait 1m45. Et puis, qui un jouait. Un peu plus quand même. Je pense qu'il a votre taille au minimum. Et qui jouait en deuxième division en Hollande. Hein. On est bien d'accord. Excellent tout l'été. Ouais. Oui, c'est ça, Chris Bedia aussi, il a fait une bonne préparation. Stevanovic et Pluguet qui donnent des ballons à Bedia, ça ne vous convainc pas, Gabin ? Oui, bon, ben, moi j'attends de voir. Hein, si Bedia met 20 goals, on verra un Servette européen. Voilà. Et je ne pense pas que c'est qu'une question financière. Les numéros 9 de la 5e ligue à la Super League, ils sont rares. C'est une question de rareté, c'est une question d'aller au nez, de faire confiance à des Senderos, à des Constantins, d'aller chercher aussi des gens sans forcément faire exploser la banque. Donc pourquoi pas trouver quelqu'un que personne n'a vu. Et en deuxième division néerlandaise, on peut marquer 14 buts et signer 14 passes décisives pour trouver un club en Suisse. On rappelle juste, on parlait de Tony Breza avant, il va chercher Jean-Pierre Nsamé au fond de la Ligue 2 française. À l'époque aussi, hein, je voudrais ressortir les bandes pour savoir ce qu'on disait à l'époque. Mais de toute façon, c'était un joueur de complément, je ne sais rien, et c'est devenu le meilleur joueur du championnat suisse. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Là, il faut faire confiance aux joueurs qui sont en place, puis on jugera après. Stéphane, on vous a coupé. Vous aviez envie de dire quelque chose.
Ah ben, on est là pour dire tout plein de choses, mais je suis surtout rassuré d'entendre Tim être d'accord avec moi. Je sentais depuis le début, et puis mon petit épopée avec le session, là, je me sentais un peu seul autour du plateau. Non, je pense sincèrement qu'on n'a pas à envier ce qui se fait ailleurs. Certes, on a d'autres moyens en Romandie, peut-être plus ou moins en fonction de Genève et de Sion, mais quand même, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui sont passionnés dans les deux clubs, il y a des gens qui sont réfléchis également. Donc pourquoi pas une fois aussi une année plus romande que suisse-allemande. En tout cas, personnellement, j'y crois. Est-ce qu'une des clés, ça ne serait pas la constance? On connaît les vagues. Gaber a évoqué les 6 ou 7 défaites de Servette l'année dernière, mais pour viser haut, ben, à un certain moment, faut obtenir des résultats avec constance. Ben, c'est ce qu'a fait Zurich. Hein. Zurich, ils ont fait des retouches à leur contingent, mais ils n'ont pas tout révolutionné après leur 8e place, je crois, de la saison d'avant. C'est ça, de la constance. Mais moi, je reviens à Berlin. On peut penser que ce n'est pas le meilleur joueur du monde, on peut penser qu'il a des lacunes. Mais il faut voir, il est arrivé, il était en main forme et tout. Servette lui a laissé le temps. Moi, je pense que c'est très bien. Et je ne dis pas qu'il va cartonner cette saison, mais je dis qu'on lui donne au moins des possibilités de cartonner cette saison. Parce qu'on lui a fait confiance et on fait preuve de constance. Voilà. Je reviens à lui parce que pour moi, c'est un symbole de comment on travaille juste. De d'autres clubs, il serait déjà fait sacrifier après ces 4-5 mois qui n'étaient pas suffisants, il faut bien le dire. On ne l'a pas dit, mais les deux clubs romands européens, est-ce qu'on ose y croire? Je crois que j'ai plus besoin de le dire autour de cette table. Moi j'y crois. Je suis assez d'accord avec Tim. Sion est capable cette année de refaire un bon coup en coupe. Je pense qu'on peut mettre une petite pièce du côté du tourbillon. Après les deux Européens, ça veut quand même dire que Zurich, Bâle, IB, Lugano sont derrière. En tout cas, un des quatre. Ouais, c'est pourquoi pas. Ce serait quand même une sacrée surprise que les deux soient en Coupe d'Europe l'année prochaine. Non, si j'ai un, pour moi, ça serait un magnifique résultat. Oui, bien sûr, on signe pour un, alors clairement, mais pourquoi pas y croire, pourquoi pas une surprise, pourquoi pas sortir un nouveau Jean-Pierre Nsami côté genevois ces prochaines semaines. Il y a moyen, c'est certain, on l'a fait une fois, il n'y a pas de raison. Juste pour rappel, quand même, Zurich est aussi allé taper en bas, tout au fond, relégation, avant de remonter puis de se reconstruire ces dernières saisons. Ça ne s'est pas fait tout seul non plus, d'une année à l'autre, côté Zurich. Quoi. Avec un super attaquant qui était à Saint-Cizé, qui était en échec à Lugano aussi. Donc, comme quoi, il faut. Qui était longtemps en échec aussi à Zurich. Clairement, bah oui, clairement. C'est pour ça que la constance. Ah oui, il les mettait à côté, puis tout d'un coup, il les a mis dedans. Ben voilà, il y a eu une transformation. Le type, il a pris confiance. C'est vrai que c'est pas le Cizé qu'on l'a connu à ses débuts. C'est la constance. À propos de grands attaquants. Ah, ça fait déjà on va venir. C'est pas Jean-Pierre Nsamé, mais il y a eu une rumeur qui a couru du côté de Tourbillon et de la porte d'Octodur tout au long de la semaine. Mario Balotelli à Sion. Il est encore sous contrat en Turquie, il a 31 ans, il était pré-convoqué avec l'équipe d'Italie il y a quelques mois de cela, et il y a des contacts entre le club valaisan et l'attaquant italien. Réalité, fantasme, qui veut y croire autour de cette table? Alors c'est sûr qu'il y a des contacts, c'est confirmé. C'est confirmé. Mario Balotelli et ses représentants, ils étaient à Martigny, ils ont discuté avec les dirigeants du FC Sion. Il y a des discussions très avancées. Maintenant, je crois que Barthélémy Constantin l'a bien dit, c'est un joueur qui appartient à un autre club. Donc c'est avec ce club-là qu'il faut discuter, c'est là que ça va être plus dur. J'ai l'impression, et d'après ce que j'entends, qu'avec Mario Balotelli, et on va faire une petite parenthèse, on ne fait pas de côté, le seul club en Suisse qui peut faire ça, c'est le FC Sion. Parce que les autres clubs ne peuvent même pas y penser. Si on dit à IB autour de la table, de le bureau fermé, Christophe Spicher, Stephen Bergen, Balotelli, ils rigolent, ils pensent à autre chose. Le seul qui dit, ouais, pourquoi pas, Mario, il n'a qu'à venir, c'est le président de la session. Rien que pour ça, c'est fantastique, je trouve. Surtout qu'il a eu une fois la porte close, hein, il en parle ces derniers jours. En 2016, il avait déjà essayé de l'attirer, ouais. Ça n'avait pas fonctionné, il avait filé à Nice. Donc il est têtu, il a des moyens, il a les moyens. Donc pourquoi pas, effectivement. Et après, tout est possible. On a tous été dans un vestiaire un jour ou l'autre, ces joueurs qui ont des mauvaises réputations, qu'on n'attend pas, on se tâte un peu, on ne sait pas trop quand on les a comme coéquipiers. Puis finalement, s'ils nous plantent des pions semaine après semaine, tout fonctionne bien, ça peut être juste une aventure exceptionnelle, et puis à contrario ça peut faire assez rapidement, hein. Gabet. Non, pour moi c'est une mauvaise plaisanterie, je trouve l'idée insensée et ridicule. Moi je ne veux pas faire le procès de Balotelli, hein. Le seul qui a réussi à plus ou moins mater Balotelli, c'est Lucien Favre du côté de Nice, hein. Roberto Mancini aussi, hein. Oui.
Il le voit moins souvent. Manchester City, c'est à quoi pensait Tim, certainement. Pour moi, il est ingérable. Enfin, bref, voilà. Et puis, je trouve que Christian, cette semaine, j'ai encore lu qu'il se plaignait que le café du matin coûtait 20 000 francs. Je pense que Balotelli, il va passer à 25 000. Mais je pense qu'il a quand même fait pas mal de mauvaises expériences avec, entre guillemets, des anciens. Hein, j'ai fait une petite liste, la Constance, Sang, Berami, Giroud, Gattuso. C'était que des flops. Et moi, sur Balotelli, je ne vois pas d'autres issues. Oui, mais il a besoin de ça, le président. C'est ça aussi. Oui, moi, je trouve ça magnifique pour le championnat suisse, pour les journalistes, pour les consultants, pour tout le monde. C'est un coup de projecteur extraordinaire. Après, si on parle de football, on peut débattre des heures. Est-ce qu'il va apporter quelque chose? Il sort quand même d'une belle saison, là. Hein. Il a mis des buts, là, en Super League turque. C'est un vrai joueur de foot. C'est pas un joueur qui vient à Sion. Mais je n'ai pas nié ses qualités, voilà. Hein, on est bien d'accord. Non, mais typiquement. Par contre, c'est un type ingérable, j'entends, on sait très bien. Mais on parlait avant des fameux neufs qui sont introuvables. Là, il est trouvable et potentiellement difficile à gérer. C'est une position sur le terrain qui est tout autre que Song, que Giroud, qui doivent animer le jeu et autres. Un exemple, j'entends, sur des anciens. Oui, bien sûr, mais quand même, laissons aussi ce bénéfice-là à Constantin, qui, quand même, à ce niveau-là, nous donne envie le lendemain d'aller lire les gazettes, et c'est déjà bien aussi. Et à ce titre-là, je pense que la victoire d'aujourd'hui, elle est importante. Parce que ça peut, chez le président de l'FCSion, libérer encore un petit enthousiasme supplémentaire. S'il faut mettre une briquette de plus, s'il avait perdu, il ne serait pas forcément bien demain et tout. Là, il se dit, bon, on est bien parti, on a IB dimanche. Moi, je pense que la victoire d'aujourd'hui, elle peut jouer un petit rôle dans ce transfert. Bon, alors, OK, c'est le feu d'artifice avant son départ, parce qu'un, il cherche un repreneur, il est prêt à donner le club et tout ça. C'est vrai que ça serait... Mais, hein, ça serait un dernier coup fumant. Tim a évoqué l'interview donnée par Barthélémy Constantin, le directeur sportif du club, avant la rencontre de cet après-midi à Lugano. Si vous n'étiez pas en notre compagnie, c'est bien dommage. À ce moment-là, on vous propose d'écouter ce qu'a dit Barthélémy Constantin à Giacomo Notari juste avant la rencontre à Lugano, uniquement concernant Mario Balotelli. Mario, c'est un joueur qui a un contrat avec la Demiri Sport, donc il est payé par les Turcs, il est sous contrat avec le club turc d'Adana, donc j'ai rien à dire sur lui. Il n'y a aucune possibilité de le retrouver à Sion lors de la saison prochaine? Comme j'ai dit, c'est un joueur qui a un contrat en Turquie, donc j'ai rien à dire sur des joueurs qui ont un contrat ailleurs. J'aime pas qu'on parle de mes joueurs quand ils ont un contrat chez moi, donc je vais pas parler des autres quand ils ont un contrat. Il ne dit pas, ça va pas se faire. C'est un joueur qui a un contrat, mais on connaît le football d'aujourd'hui, les contrats, politique, ça se négocie. Politiquement, c'est du haut vol. Hein. On connaît les Valaisans, ils sont très à l'aise dans le domaine. Donc, il a tout dit, donc on peut imaginer que ça mouline en coulisses comme jamais, et puis qu'effectivement, ils sortent du chapeau très rapidement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Exactement, et puis là, c'est juste faire son travail pour Barthélémy Constantin. Ouais, le président du club turc a dit sur Twitter, il a dit le prix c'est 5 millions, celui qui vient avec 5 millions, je lâche. On peut penser aussi que c'est un prix qui est exagéré, il sera peut-être accessible à moins cher. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est bien communiqué, parce que plus on communique dans ce genre d'histoire... Mais si c'est 5 millions le café, c'est pas 25 000, ça sera 35 000, hein. On est bien d'accord. On va trouver un arrangement, c'est certain. Il faut la volonté. Il y a aussi peut-être des raisons familiales qui pourraient le pousser à vouloir revenir en Suisse, à se rapprocher peut-être de sa famille ou en tout cas d'une partie. Donc, qui sait? Quand on lit en même temps qu'il y a Valencia et Gattuso qui pourraient être intéressés, on peut faire tous les scénarios du monde. Il faut juste aller se coucher puis se réveiller demain matin prêt à bondir sur la presse. Gabé, ce serait fantastique. S'il y a deux télévisions avec deux matchs et que sur un des écrans, il y a Balotelli qui joue en Super League, c'est ce match-là que vous allez regarder, même si c'est IB, l'autre, non? Pas forcément, mais c'est vrai. Ça va. Je serais capable de regarder les gens. Non, Balotelli, tu peux pas rester insensible. Le footballeur, on sait qu'il a du talent, mais bon, il est complètement à côté de la plaque. Ouais, mais ça serait pas un sacré coup de pub quand même pour le championnat. Franchement, on se plaint qu'en Suisse romande, ça ronronne. Ça vaudrait la peine de faire un sondage dans des gens du milieu du ballon pour savoir ce qu'ils en pensent. Mais tiens, on va peut-être le faire pour la semaine prochaine, suivant l'évolution des choses au cours des prochains jours. Stéphane, vous déplaceriez au stade pour voir Mario Balotelli de vos propres yeux? Évidemment,
comme vient de dire Tim, j'aurais choisi. Je n'ai pas la capacité de regarder deux matchs en même temps, donc je choisirais clairement le match où il y a Balotelli. Pas pour le voir trébucher ou pour voir que ça ne fonctionne pas en Valais, mais au contraire pour me dire que là, on a mis une vraie petite étincelle dans ce FC Sion, qui est un club à part, avec un président à part, un joueur à part. Pourquoi pas une fois que ça fonctionne et que dans la petite liste de Gabé, sur la colonne de droite, ils soient obligés de mettre Balotelli un jour. Je ne te demande pas mieux, hein, mais j'ai quelques doutes. Ouais, après, sportivement, mais vous avez raison, Alex Song, il sortait d'une carrière phénoménale, il n'était pas encore tout à fait cramé quand il est arrivé à Sion, et il n'a pas donné ce qu'on attendait, bien sûr, mais là, on parle d'autre chose, parce que Balotelli, je trouve qu'il sort d'une saison là qui est vraiment, vraiment efficace, et puis je trouve qu'il a encore une stature supérieure à en Alex Song. Puis moi, je pense que c'est bien pour tout le monde, la Promotion League, elle n'a jamais été autant mise en valeur que quand Djibril Cissé était à Yverdon. Il a fait une saison sportivement réussie avec 25 buts, beaucoup de pénalties. Mais finalement, bah, ça a fait parler de cette ligue. Et là, je pense que ça mettra un petit coup de projecteur sur la Super League à l'extérieur. Balotelli, il a peut-être un objectif à moyen terme, à mi-novembre, qui pourrait le faire choisir justement un club où il doit s'éclater et il doit me faire des stats. Donc s'il a l'ambition de rejoindre Mancini dans la Nationale, il va falloir performer, peu importe où il atterrira. Il ne faut pas oublier que l'Italie prend des joueurs du championnat suisse maintenant pour jouer en attaque. Lanto. Avec Lanto, il a prouvé qu'on pouvait jouer en Suisse et être sélectionné avec la squadra. Je pense que Balotelli n'est pas forcément associable à ça non plus. On le voit depuis tellement longtemps, il fera pas Balotelli. La Coupe du Monde, ça on est sûr. Hein. Ouais. Mais on le voit quand même depuis tellement longtemps, Balotelli. Tout le monde se souvient de son Euro absolument magnifique en 2012, il y a 10 ans. Mais c'est un joueur qui a, entre guillemets, que 31 ans. Ça compte aussi, c'est pas Valon Berami, c'est pas Johan Jou, qui avait quand même quelques années de plus quand ils ont rejoint le Il n'a pas toujours joué, donc il doit être, ça va, un petit peu plus frais et dispo que certains. Mais c'est vrai que je crois que la qualité du joueur, je crois que personne ne va la contredire, bien au contraire. Non, c'est l'état d'esprit et le comportement. Je pense que c'est à ce niveau-là que j'ai quelques doutes. Mais qu'est-ce qu'on en sait finalement? Comment il est dans le vestiaire? Parce qu'il y a le côté exubérant, il y a le côté un peu bling-bling, il y a tout le reste. Il a lancé des fléchettes sur des gammes, hein, ou je ne sais plus quoi, Manchester et tout. Mais dans le vestiaire, est-ce qu'on a vraiment des témoignages du fait que dans le vestiaire, il n'est pas respectueux avec ses entraîneurs? Moi, je suis pas sûr qu'il y ait des histoires comme ça autour de Mario Balotelli. Je crois pas. De joueur ou de coéquipier, personnellement, je vous rejoins complètement. Jamais. Après, c'est sûr qu'avec ses entraîneurs, c'était plus compliqué toujours, mais ça a pu marcher à une période. Là, il a un contrat encore de 2 ans, donc c'est pas non plus comme s'il était en bout de course et que plus personne ne voulait de Balotelli. C'est un joueur qui pourrait s'asseoir sur son contrat en Turquie, donc il y a une vraie volonté réciproque. Pourquoi est-ce que ça pourrait pas marcher au FC Sion? Après, c'est clair qu'on a entendu Lucien Favre aussi, 2-3 témoignages, qui disait que tu n'avais pas envie de se traîner à Nice, il s'asseyait sur le ballon et puis il fallait attendre que ça passe. Bon, d'accord, c'est vrai, je suis d'accord, j'exagère un peu le trait, c'est pas le joueur parfait de vestiaire, mais c'est pas non plus quelqu'un qui tire tous les jours à vue sur ses... Pas évident à gérer, hein, je crois que nous sommes tous d'accord. Et peut-être que si Mario Balotelli rejoint Sion, ça renforcera l'avis de Stéphane concernant la possibilité de cette équipe d'être la surprise de cette saison. C'est clair, si Balotelli est en pleine forme à 100% de ses moyens, ça serait un gros coup. Gabé, vous reviendrez prochainement pour nous en parler ? Ah ouais, parce que le temps tourne, on est déjà au terme de cette émission. Merci beaucoup messieurs, on espère que vous avez eu autant de plaisir que nous autour de cette table. On se réjouit d'un prochain match après match. Le rendez-vous désormais à 19h30 pour débattre du football, aujourd'hui suisse mais aussi international au cours des prochaines semaines. À très très vite, deuxième journée de Super League dans une semaine. Bonne fin de soirée. We'll be right back.